Ouais, je bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Je sais, je fais cette vidéo dans un endroit où je n'ai pas à me plaindre. Je suis conscient de la chance que j'ai, mais il faut toujours regarder en bas. C'est bien de regarder en haut et d'être ambitieux, mais il faut toujours regarder en bas. Ceci n'est pas normal, mesdames et messieurs. Dans n'importe quelle partie du monde, ça m'attriste de voir ce genre de bâtiment, surtout quand on est juste là, à côté de là. Vous vous rendez compte de cette violence, hein? La violence des choses. Regardez. Regardez la différence. Ça, on appelle ça non-assistance à personne en danger. Hein? Donc moi, je suis là, calé dans mon hôtel au calme. Et tous les jours, il y a ça qui doit me rappeler la réalité des choses. Et c'est important de rester sur terre. Parce que là, tu peux passer de ça à ça très rapidement. Et je tiens à dire aussi, et c'est très important, que tu peux passer de ça à ça aussi. Certes, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est vraiment triste. Et si je fais cette vidéo, c'est pour lancer un message. Voilà. Donc, je sais que c'est une bouteille lancée dans la mer et qui va servir à rien. Mais moi, j'aurais kiffé que quand il y ait ce genre d'initiative, voilà, de construction comme ça qui est magnifique, mais que le quartier soit mis au niveau aussi. C'est pas possible qu'on investisse dans des infrastructures comme ça et qu'à côté, il y ait des gens qui aient du mal à vivre dans des conditions normales. On ne peut pas me dire que ça, c'est normal, c'est sain et c'est voilà, c'est comme ça. Normalement, si tu viens investir dans un quartier, tu viens mettre un hôtel et tout, je ne sais pas quoi, ou des trucs comme ça, mais fais en sorte que l'entourage aussi, il colle un petit peu avec, avec ton hôtel. Et puis là, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer de la jalousie, de l'animosité, bien sûr. Hein? Comment vous voulez qu'on reste ensemble quand il y a des trucs comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis meilleur que ces gens-là? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait de mieux qu'eux? Ça m'énerve. Voilà, je suis là dans une chambre. Il y a tout. J'arrive même pas à profiter. Mais c'est bien. Franchement, c'est bien fait pour ma bouche. Voilà. Donc moi, je suis là, je vais dans des hôtels. Il y a des piscines, il y a des je sais pas quoi. Alors qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à vivre dans des endroits décents. Et ça, on me le met en face de moi. Et puis les gens qui sont à l'hôtel, ça leur fait rien du tout. Ils sont là, ils prennent leurs photos, ils prennent leurs pictures. Ils vont à la piscine. Mais vous voyez la violence du monde? Comment vous voulez qu'on reste ensemble? Comment vous voulez qu'on se comprenne? Hein? Tu viens construire ta maison de malade juste à côté de quelqu'un qui a une maison qui ne respecte pas forcément toutes les normes. Hein? Il aurait pu avoir un petit entretien. Hein? Je sais pas, moi, quelque chose. C'est quoi ça? Donc eux, ils vont tous les jours, ils vont se lever, ils vont regarder, ils vont voir le décor de ça, là. Hein? Et on va leur dire qu'on n'aurait rien pu faire pour eux. Je sais. Que voilà, cette vidéo, je la fais, c'est comme ça, ça ne va pas changer, on vit pas dans le monde des bisounours, c'est comme ça, c'est la vie. Mais moi, je pense que si quelqu'un vient investir dans des endroits où c'est moins cher, blablabla, pour faire évoluer le pays, mais c'est pas qu'en mettant des hôtels et après, il y a du profit. Moi, je pense que là, normalement, il y a une loi qui doit être mise dans le monde entier. Quand les riches, ils viennent investir dans des pays un peu plus pauvres, ils doivent développer 2 ou 3 bâtiments qui sont insalubres. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, c'est pas normal, ça. C'est pas normal. Non, non, ça fait trop mal au cœur. En tout cas, force à tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et qui vivent dans des conditions encore plus pires que ce que je viens de montrer. Après, je dis pas qu'ils sont dans la merde ou quoi. Même, ça m'énerve de poster cette vidéo même. Mais je vais la faire, je vais la poster. Je vais la poster parce que c'est un message que j'ai envie de faire passer. En tout cas, on est ensemble. Je suis à Dakar, ça me fait plaisir. Je suis en Afrique, je suis au Sénégal. C'est une dinguerie comment les Sénégalais me kiffent. C'est une dinguerie. Franchement, je fais mes vidéos tous les jours. Mais là, je me rends compte de l'impact que j'ai sur vous. Et franchement, j'en suis fier. Ça bouge pas, on est ensemble.